ce qui est du mur bas, les volontaires ont dévégétalisé le muret, puis ils ont retiré les joints et déposé une partie des maçonneries en réalignant les parements par rapport au reste du mur. À la demande de l'UDAP, la restauration a été retirée pour revenir à l'état initial, l'hypothèse étant que le non-alignement des parements soit intentionnel de la part des bâtisseurs de l'époque. Les pierres de glacis manquantes ont été remplacées par des pierres de récupération préalablement retaillées sur place. Enfin, les volontaires ont procédé au rejointoiement du mur bas. Quant au mur haut, il a été dévégétalisé, les joints ont été retirés et la terre au pied du mur dégagée. Les volontaires en service civique ont déposé les maçonneries de moellons sur le parapet, puis les ont partiellement reposées. La rase du parapet a été réalisée en mortier de chaux et arrondie afin de faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Les pierres manquantes du bandeau ont été remplacées par des pierres préalablement taillées. Pour finir, le mur a été rejointoyé.